Alors j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai tout oublié parce que ça fait un moment, comme tu dis ça fait un an. Donc ce qu'on va faire, déjà on va pas mettre de veste, parce qu'on va transpirer. On a une pompe à pied. Et selon ce que j'ai regardé, au niveau des matelas, un 140 c'est trop large. Donc j'ai pris un 120 de chez ta marque préférée, Decathlon. Toi aussi t'as remarqué à quel point je suis doué de mes 10 doigts. Ah. Alors, j'imagine que la première des étapes, c'est de basculer les sièges. Et bien, ça se passe ici, je sais, ça se passe où? Regarde, viens filmer ici, s'il te plaît. Là, 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 voilà, on tire. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Oh. Voilà, bon. Que lui, il est en... C'est dans l'autre sens peut-être. Bon. Tu casses pas la peau. Bon alors j'ai pas trop gonflé, honnêtement ça a pris 3 minutes à appuyer sur le truc là. Faut pas le gonfler trop. Regarde un petit peu à l'intérieur, tu vas voir, passe par là-dedans. Que tu vois ? Faut vraiment pas prendre du 140, le 140 il remonterait jusque là des deux côtés, donc ça sert à rien. Franchement, ça le fait. Ça le fait bien. Bon allez, on a emmené les draps, les oreillers et tout, ça va être la folie ce soir. Bon franchement, ça le fait hein. Pour l'instant, on va voir en réel ce que ça donne. On a les petits oreillers et tout, tranquille. Donc là, tu vois, il y a encore beaucoup d'espace. Tout l'espace est libre. Là, j'ai mis le carton du matelas et j'ai mis la pompe. Ça, je vais la ranger aussi là-bas. Mais ça le fait grave. Ça le fait super grave. Donc, ce soir, petite série, tranquillement. Je suis à 78%. Alors ça, c'est la vue qu'on va avoir pendant qu'on va se faire quelques petites séries. Donc pour info, on est toujours à 78%. Le siège, bah finalement le siège, moi il est dans ma position de conduite, j'ai pas eu à l'avancer au maximum et on voit très bien que voilà, ça ne touche pas forcément le matelas. Il y a encore de l'espace, donc c'est une grande voiture. Allez, c'est parti, on va pas mettre de clim ou de chauffage pour l'instant parce que c'est bien géré et gérable. Et après, on verra la suite. C'est juste parce que le toit est fumé que tu vois noir, tout noir, mais en fait, c'est un peu bleu, tout bleu. Bon, on a consommé 1% de batterie à regarder Netflix. Alors, plutôt que de mettre la clim, bon là, ça va le mettre quand même, ce qu'il faut vraiment faire, c'est le mode camping. Pourquoi ? Parce que le fait de mettre la clim comme ça, ça réchauffe la batterie de la voiture également. Et donc forcément, ça consomme plus. Tandis que si tu vas en mode camping, hop, la voiture restera allumée jusqu'à ce que la batterie atteigne 20% de charge. Le mode sentinelle, l'alarme,
de sécurité et le verrouillage en mode sortie seront désactivés. Et surtout, ça ne réchauffe pas la batterie, donc c'est censé consommer moins. Alors on est à 77%. On va voir demain matin comment ça se passe. Il est 22h17. Par contre, la température, il fait super chaud là déjà. Je sais pas, on va tester un petit peu là, mais waouh, ça chauffe. Ah, on met ici 22, n'importe quoi. Après, il va crier. Oh, j'ai chaud toute la nuit. The following day. Il est 7h moins le quart. Il fait plein jour, mais surtout plein vent. Je sais pas si tu vas pouvoir voir là-bas les feuilles qui bougent. Mais c'est sympa de se lever avec un paysage comme ça. Je crois que c'est la première fois que je dors à la Belle Étoile. J'ai déjà dormi en tente, mais c'est la première fois que je dors à la Belle Étoile. Plein de choses à dire. À deux déjà, au niveau confort, qu'est-ce que tu en penses? Ça va. C'est vrai qu'il faut trouver la position. Et trois. Je pense que si t'es deux potes qui veulent dormir ensemble, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu étroit. Mais si t'as trouvé la position, ça va, ça le fait. Au niveau chaleur, la température est restée à 21,5 degrés toute la nuit. Donc, ça a été plus ou moins un petit coup de chaud, un petit coup de froid, mais un coup de bon au final. Déjà, nous, on a changé de direction la voiture parce qu'on avait le lampadaire qui nous tapait dessus. Bon, c'est vrai que si tu vas faire du bon camping, du camping sauvage, tu n'auras pas ce problème-là. Ensuite, il faut quand même se souvenir de prendre son téléphone pour verrouiller la voiture. Au niveau batterie, on est là tout de suite à 66% de batterie et ça fait 9 heures que la voiture est en mode camping. Donc j'ai perdu 11% de batterie, ce qui n'est pas énorme. On va dire à peu près 6 kWh, considérant qu'on a le chauffage. Parce que dehors, là tout de suite, il fait 8 degrés. J'imagine qu'en plein été, si tu fais du camping comme ça, et que tu utilises de la clim, ça consomme moins parce que le chauffage consomme beaucoup plus que la clim. Donc on est pas mal là-dessus. Comme je te dis, le mode camping, il optimise la batterie, il recycle l'air intérieur et des fois il prend de l'extérieur. Bon, c'est intéressant comment il gère ça. Après, il faut aimer se lever de bonne heure. Moi, je sais que je me lève, je suis à la salle de sport avant 6h du matin tous les jours. Donc me lever de bonne heure, ça me dit. Mais sinon, tu as toujours, j'imagine, des caches que tu peux mettre comme ça sur les vitres. Ça, on spécifique à la modèle 3. En modèle Y, tu l'as pas, donc un peu plus de confort, mais ça sert un peu de petite table de chevet sur lequel tu peux poser tes chaussettes, par exemple, quand t'as trop chaud. C'est ce qu'elle a fait Fanny hier soir. Voilà. Intéressant cette première expérience. Je sais pas, parce qu'on est là pour 3 nuits, je sais pas si on va la renouveler ou pas. En tout cas, la première partie était la plus simple à faire. La seconde partie, c'est-à-dire le repliage du matelas et le dégonflage, ça va être autre chose. Je sais qu'il existe des matelas Tesla spécifiques, etc., qui coûtent bien plus cher, parce que ça, c'est un matelas que j'ai acheté avec pompe. J'en ai eu pour moins de 20 euros. C'est pour ça que je galérais un peu plus. Mais il fait le taf, il fait le job. Il est super confortable, en fait. Hein. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, là, tout de suite, premières impressions, c'est qu'il fait bien plus chaud devant, en fait. Mode camping, donc appuyer pour quitter. Voilà. Tu vois, je suis donc à 66%. Est-ce que ça se répercute sur la conso? Non, hein, c'est de la consommation fantôme. L'autre chose que je voulais dire, c'est que, tu vois, là, il est quasiment 7 heures. Il fait 11 a priori. C'est que le mode sentinelle, finalement, consomme beaucoup plus que le mode camping. Mode Sentinel, ou pas beaucoup plus, peut-être 10% aussi sur une nuit. Mais je veux dire, le mode Sentinel ne chauffe pas la voiture, etc. C'est hallucinant. Moi, si je prends en comparaison mon téléphone a consommé plus que 10% durant la nuit. Là, j'en ai consommé 11 avec la voiture. Pendant que la voiture a consommé 11%, mon téléphone en a consommé une quinzaine de pourcents. J'étais pas en mode avion. Donc, je me dis, finalement, ce mode camping, très bien. Bon, c'est pas du camping trop sauvage, hein. On est chez les parents, heureusement, parce qu'on peut profiter de la douche et autres. Mais bon, c'est une bonne expérience.
Ça va aller sur YouTube, hein? Oh non! Non, tu vas pas mettre ça sur YouTube! Je vois que tu me mets sur YouTube.